Bonjour, comment va la vie? J'espère qu'elle va bien pour vous, qu'elle est joyeuse. Voilà, nous sommes ensemble pour une heure, si vous en êtes d'accord. Souvenez-vous, la semaine dernière, à moins que vous n'étiez pas avec nous, et ça c'est bien dommage parce que vous avez raté samedi, c'était Danny Boone, et dimanche, Elena Noguera. Bonjour Danny Boone. Bonjour Catherine. Vous aimez bien revenir en arrière? Franchement, ouais. Ça ne dérange pas. Alors, non, revenir en arrière. Parler de mon enfant, c'est toujours... Ma mère, elle n'aime pas trop, donc je respecte. Elle vous suit beaucoup? Elle me suit trop. On ne voit plus son papier peint chez elle. On ne sait plus de quelle couleur il est. Tellement il y a toutes mes affiches, les photos... Les articles. Les enfants, les petits-enfants. 35 millions d'entrées sur l'ensemble de votre œuvre. Et 66, France, vous me disiez, ouais, dans le monde. Ouais, ouais. C'est lourd sur les épaules. Non, pas du tout. Ça rend libre. Du coup, je peux me permettre de m'amuser et de faire... voilà, par exemple, sur Red Dingue, la fin du film, c'est au château de Vaux-le-Vicomte. C'est une séquence très impressionnante qui coûte très cher. Et je dis, bon, ben voilà, on va faire ça. Et personne ne me dit non, quoi. Vous êtes aussi producteur. Qu'est-ce que ça apporte? On aide aussi les autres? Oui, oui, mais ça, je fais ça depuis toujours. J'appelle ça perdre mon argent intelligemment. Et donc, vous craignez pas de le perdre? Non, non, non. L'argent est fait pour être dépensé. Je ne suis pas du tout radin, justement, contrairement à mon personnage. Il y a même un chrono. Voilà. Par ouais, exemple, j'ai le premier, le deuxième. Et voilà, excellent. Non, et bien. Vous vous sentez dépassé, vous, par vos adolescents? Par mes ados? Oui, vous avez non, deux plus grands. Hein. J'ai deux plus grands, 19 et 17. Non, pas du tout. J'ai une belle relation avec eux, ça revient. Il y a un moment où... c'était compliqué de les voir, ils ne voulaient pas venir en vacances. Je disais, mais viens avec ta copine, si tu veux. C'est pas grave. Oui, prêt à et tout. On dormira dans la même chambre. Oui, si tu veux, d'accord. Là, vous m'impressionnez. Est-ce que vous avez des tocs? J'ai des tocs de superstitieux, du genre, quand je suis en spectacle, il faut que je fasse rire le pompier en coulisses, sinon mon spectacle ne va pas marcher. J'irai jusqu'à péter pour le faire rire. Qu'est-ce qui est raide en vous? Catherine, comment ça, qu'est-ce qu'il y aurait dans moi? Mais précisez ouais. Votre pensée. Je suis très hypochondriaque, donc je suis assez raide sur la santé et sur l'hygiène. Avoir 50 ans, c'est... C'est comme 25, mais deux fois. C'est pareil, ça ne change pas grand-chose. Avoir 50 ans, ça peut être sympa. Je m'appelle Elena Noguera. Bonjour Elena Noguera. Belle comme vous êtes, vous auriez pu être Miss Univers. Oh là là, quelle horreur. Non, c'était interdit à la maison. Tout projet de concours de beauté a été proscrit par mon père très vite. Et j'ai très vite compris qu'il n'y avait pas d'avenir pour la femme à travers sa beauté. Vous avez posé souvent nue sur des magazines. Oui. Vous dites le regretter aujourd'hui. J'ai refusé très longtemps de poser nue. Parce que j'avais la jeunesse et que je trouvais que c'était trop facile et trop évident et j'avais pas suffisamment construit de choses que je trouve en tout cas plus intéressantes que cette beauté à exposer. Après, à 40 ans, j'ai voulu l'exposer en me disant j'ai suffisamment construit, je vais poser nue. Mais après, maintenant que j'en ai 47, je me dis mais en fait, à 40 ans, je suis encore à cet endroit où je dis excusez-moi, je ne suis pas vieille, je ne suis pas périmée, je suis encore désirable. Mais donc, je me remets à cet endroit d'objet. Du désir, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à m'en sortir. Vous êtes extrêmement tiraillée. Hein. Mais total, mais comme toutes les femmes. Vous avez peur, vous, des critiques? Non. Ah bon? Bah alors, c'est même pas utile de critiquer Elena, hein, de toute manière. Si, elle, si, si. J'aime les critiques. Je ne fais pas partie de ceux qui les dénigrent. Mais je ne veux pas me laisser atteindre. Je vous ai dit, je suis sur la voie du bouddhisme, donc je lâche prise. Qu'est-ce que vous fredonnez sous la douche? I feel pretty, oh so pretty, I feel guilty. Quel est le mot de la langue française que vous préférez? Inexorable. Les tatoués sur mon dos. Qu'est-ce que vous faites en état d'ébriété? Oh là là, j'aime tout le monde et je peux me mettre nue. Là, vous avez bu, là, ce matin? Non. Bon, tant pis. Elena était à jeun. Alors, qui est sur le plateau? Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Tout d'abord, quelle est votre profession? Je suis comédien. Votre situation familiale? Marié, trois enfants. Votre devise? Le monde est un livre, et celui qui n'a pas voyagé n'en a lu qu'une seule page. Et votre obsession dans la vie? La curiosité. Votre prénom et votre nom? Bonjour, je m'appelle Laurent Deutsch. Bonjour Laurent Deutsch. Vous venez me rejoindre, vous êtes comédien, vous êtes passionné d'histoire, vous avez pulvérisé les ventes avec Métronome 1, Métronome 2.
Et là, vous êtes pour nous parler. Bonjour. Bonjour, bon dimanche. Ben oui, vous avez mis votre petit pull marin. J'ai mis mon pull marin maintenant, c'est bien. Je pars à l'aventure. C'est bien, l'aventure. Sur la terre incognita. Oui, l'aventure du théâtre, quoique vous connaissiez très bien les planches. Alors on va parler de Bankable, c'est depuis mardi sur la scène du théâtre Montparnasse. Ce sont en fait les coulisses du cinéma. C'est-à-dire les coups bas, les calculs, Cupide, aussi la difficulté d'exister quand on prend de l'âge. Et des tas de sujets en fait, qui sont abordés dans cette pièce. On va l'évoquer tout à l'heure. Vous savez aussi, dans l'émission, on aime bien revenir un petit peu en arrière. Et je voulais, comme vous êtes passionné d'histoire, on va parler aussi d'une femme qui a beaucoup compté pour John Kennedy, le président Kennedy. C'est Mary. Mary est une jeune femme qu'il a beaucoup aimée. C'était un amour secret entre deux, et une journaliste qui a été longtemps journaliste au Parisien et qui a écrit le journal de Mary viendra nous rejoindre tout à l'heure. Elle est sur le plateau, elle n'est pas loin, et elle viendra nous rejoindre. Je pense que ça va fortement vous intéresser parce que c'est vraiment un épisode en fait des Kennedy assez peu connu. Il paraît que vous aimez le vert. Le vert ? Ouais, VRT. Ah oui, c'était ma couleur non, préférée. Non, pas le vert. J'aime aussi le vert. Mais non, c'est ma couleur préférée. J'ai les yeux verts. Donc voilà, je me suis identifié à cette petite particularité. C'est rare pour un comédien. Oui, c'est une couleur assez maudite, bannie des plateaux, parce que historiquement, on entretenait la couleur avec de l'arsenic. Et c'était un poison, et les gens ne se sentaient pas bien dans des costumes verts. Voilà. Donc voilà pourquoi, petit à petit, on a chassé le vert des plateaux. Alors vous qui aimez tant l'histoire, qui aimez aussi le passé, le raconter, est-ce que vous aimez revenir sur votre passé ? Ça ne me dérange pas, mais après, il ne faut pas que ce soit trop entravant et que cette mélancolie agréable de regarder dans le rétroviseur se transforme en nostalgie paralysante qui vous empêche d'avancer et de vous rendre compte que le bonheur est devant et non pas derrière. Que faisaient vos parents ? Mon père était huissier de justice et ma mère était femme au foyer. Vous avez grandi à Sablé-sur-Sarthe ? Oui, chez François Fillon. C'est un point commun avec lui. Oui. C'est le seul ? Mais j'ai été élevé par Pénélope. Votre vie, est-ce qu'elle était très réglée chez vous ou c'était bohème ? Non, c'était extrêmement réglé. Extrêmement réglé. Et d'ailleurs, comme tous les enfants, je détestais tout ce qui sortait du cadre. J'aimais bien les choses soigneusement organisées, bornées, pour les préparer, pour les savourer deux fois, avoir la sensation de me dire que, ah oui, tout à l'heure, il y aura le goûter. Après, on va faire la petite promenade. Moi, j'aimais bien ça. Tout était maîtrisé. Ouais. Et les enfants, je crois, n'aiment pas trop les surprises. Ils aiment bien quand les choses sont en place. À 12 ans, vous partez de chez vous. Vous allez à Nantes. Oui. Et là, vous allez faire sport-études au football club de Nantes, bien évidemment. Ouais, grand FC Nantes de Jean-Claude Suodo à l'époque. Un peu moins bien maintenant. Ils sont moins bien. Ils ont été pas mal l'année dernière. Ils sont un peu moins bons. Mais par contre, on peut se targuer d'avoir le meilleur public de France, de supporters. Enfin, je m'identifie aux Nantais alors que je suis parisien depuis 25 ans. Mais c'est vrai que j'ai regardé Nantes de très près quand j'étais ado. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette émancipation très rapide ? Ben, ça m'a apporté le fait d'être responsable très tôt. D'ailleurs, je me souviens quand de 12 ans à 15 très ans. Jeune. Et je me souviens quand je suis revenu à Paris, j'ai réintégré le lycée, puisqu'en sport-études, on est encore dans une filière classique avec des études le matin et du sport l'après-midi. Et donc, comme on m'a ensuite invité à sortir parce que je n'étais pas physiquement prédisposé pour pouvoir continuer. Grande désillusion hein, pour vous. Ah, ben complot. Complot. J'étais persuadé que les Nantais qui se sentent bretons en voulaient aux gens des Pays de la Loire, qui sont à l'intérieur des terres. C'est pour ça que je me balade avec mon pull marin maintenant, pour essayer de montrer aux Nantais que moi aussi, j'ai le goût de la mer, de la Bretagne, de la cornemuse, de la bombarde et du bignou, quoi. Je suis breton aussi, même si je suis à Sablé. Et non, oui, j'étais déçu, j'étais persuadé. Vous êtes pas Sablé, vous êtes galette, vous. Les petits beurres. Les petits sablés. Moi, je suis plutôt petit sablé. Et donc, oui, j'étais sûr que c'était pas à cause de moi qu'on m'avait chassé, c'était qu'il y avait quelqu'un d'autre qu'il fallait privilégier sur moi. J'étais certain et persuadé qu'il y avait une injustice dans cette histoire. Quand vous êtes arrivé à Paris, vous avez 16 ans, ça vous est rêvé la capitale ? Oui, parce que comme j'habitais à la campagne, c'était une ville qui s'éteignait à 18h, qui était rattrapée par la forêt, par l'obscurité, par la pénombre. J'avais la sensation que tout s'éteignait, que c'était une ville morte à partir de 18h en province, à la campagne, alors que Paris était au contraire une ville qui résistait à l'obscurité, une ville debout, qui se dressait comme ça, qui arrivait à vaincre la nuit avec les phares des voitures, avec les carottes des bureaux de tabac, les croix des pharmacies qui clignotaient. J'avais la sensation que c'était le jour au milieu de la nuit et qu'il ne pouvait rien m'arriver. Je me sentais rassuré.
rassurer. Et je me disais, bah tiens, si j'arrive pas à m'endormir, ce qui est une angoisse quand on est petit, de pas dormir alors que tout le monde dort autour de vous, eh bien, je me disais, à Paris, au moins, je sais qu'il y aura un voisin qui dormira pas non plus. Je sais que j'aurai la sensation que ça continue à vivre autour de moi. C'est rassurant. Ah, vous avez commencé les castings, donc la comédie. En même temps, en parallèle, vous étudiez la philo, l'hongrois. Oui, aussi, en langue orientale. Hein, ouais. Je parlais vraiment très très mal et j'en ai eu assez qu'on dise que je parlais petit nègre et que j'étais pas capable de prononcer une phrase correctement. Donc j'ai fait des études pour mieux maîtriser la langue. Mais vous vous destinez à quel métier ? J'en savais trop rien, je voulais tout faire, comme j'étais curieux, ça allait. Même la police, non ? Oui, oui, je voulais être enquêteur. Je voulais ce que les gens regardent beaucoup à la télé, là, toutes ces séries policières qui sont passionnantes d'investigation. Moi, je voulais le vivre. Je voulais pas le regarder, je voulais le vivre. Remonter des grandes enquêtes à Interpol sur les grandes filières de vol de voitures en Europe de l'Est, ça me plaisait bien, ouais, de résoudre des énigmes. Et c'est finalement ce que j'ai fait après pour mon travail d'auteur. La suite ? Elle nous est racontée par Alexandre Agard. Parlez-moi de lui. Lui, c'est Laurent Deutsch, notre remède contre l'ennui. Vous connaissez le mot ennui ? Oui, je le fuis comme la peste. Vous êtes un peu comme ce lapin pressé que vous doublez. 3 secondes, 4, 5. Avec vous, pas de temps mort, mais un débit mitraillette qui nous a obligés à vous bâillonner la dernière fois. Ah, siècle de sa mort. Merci. Mais toute cette énergie vous rend assez sociable finalement. On vous donne un ballon, vous jouez. C'est ma première passion. On vous donne une épée, vous pointez. Le 17e siècle, c'est mon siècle préféré. À vrai dire, vous êtes un drôle d'oiseau. Ça tombe bien, vu que je suis le dernier mâle de mon espèce. Oui, un vrai mâle, anti-morosité et par les temps qui courent. D'ailleurs, vous préconisez le rire sous toutes ses formes. On n'a pas arrêté de délirer, c'est bien simple, on n'a pas arrêté de délirer dans une... Ça commence au cinéma avec Jamel, dans Le ciel, les oiseaux et ta mère. Et ça continue avec Jet Set, Astérix, Ripou 3 ou Visiteur 3, des grosses comédies populaires. Puisses-tu fleurir d'âge en âge et couvrir nos derniers neveux. Contre l'ennui, vous imposez la boulimie. Je vais te sauter dessus, te manger dessous, je vais te broyer, te croquer, te mâchonner, petite souris. Boulimie du travail, bien sûr. Car vous multipliez les rôles et les références historiques au théâtre comme au cinéma. Comme un sauvage. Devenant Mozart. Mais aussi Sartre ou La Fontaine, même Kerviel vous inspire. Serait-ce son côté hyperactif ? Ça s'arrête plus. Et pour les Parisiens qui oseraient encore s'ennuyer, vous écrivez Métronome 1 et 2, un best-seller qui raconte le Paris intime qu'ils foulent de leurs pieds et dont le premier tome s'est vendu à 1 600 000 exemplaires. Plutôt rentable comme remède, non ? Quelque chose à ajouter ? Y a qu'à s'aimer, y a plus qu'à se taire, qu'à la fermer. Laurent, quand vous voyez c'est le... C'est effrayant de voir sa vie défiler oui, comme ça. Mais oui, c'est ça, un résumé en 1 minute 30. Vous direz, quel est le fil directeur de votre parcours ? L'envie de raconter des histoires, l'envie de transmettre, l'envie de me dire que je vais partager quelque chose avec quelqu'un, qui va m'apprendre quelque chose, que je vais lui apprendre quelque chose et qu'on se sentira plus intelligent en posant sa tête sur son oreiller le soir et en se disant, en s'invitant à un voyage. Moi, tous les livres que j'écris, c'est des livres qui traitent avant tout du quotidien, de la géographie. L'histoire n'est qu'un prétexte pour inviter les gens à sortir de chez eux et de s'intéresser sur ce qui les entoure immédiatement, gratuitement, dans ce qui leur appartient, leur héritage, puisqu'on vit dans un pays qui est un héritage et on en est les jouisseurs. Et de leur dire, mais regardez, poussez cette porte, tournez-la à droite. Tout en divertissant. En captivant, ouais, bien sûr, en captivant, en les passionnant, en les excitant et en allumant quelque chose chez eux qui sera l'envie de se renseigner et de sortir, voilà, d'élargir leur horizon. Est-ce que vous vous souvenez de vous, très jeune comédien ? Oui. Ah ouais, quand j'ai commencé à 15 ans, ouais, je ne prenais pas ce métier au sérieux. Ça s'appelait Les Intrépides ? Les Intrépides, ouais. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est cette balise. C'est papa qui me l'a rapportée. Tous les soldats américains en portent. Ça permet de savoir exactement où ils sont. J'aimerais bien la poser sur le camion parce que je le perds sans arrêt. Ça marchera jamais. Qu'est-ce que vous lui dites à ce garçon qui a 18 ans et qui jouait d'ailleurs un rôle beaucoup plus jeune, hein, de 15 ans là. Je lui dis, là, il a 15 ans et il veut grandir. Il veut à tout prix devenir un homme. Il en a marre d'être dans ce petit corps d'enfant qui d'ailleurs m'a entraîné à arrêter le foot parce que c'était à cet âge-là que j'ai arrêté à Nantes parce qu'ils m'ont dit, si tu restes avec nous, tu prends les hormones de croissance et on déclenche ta puberté pour que tu puisses te muscler et participer aux travaux athlétiques. Et vous avez hésité avec vos parents ? J'ai hésité et mon père m'a dit de ne pas le faire parce que ça aurait abîmé et ralenti ma croissance. J'aurais été encore plus petit que maintenant. Vous le regrettez ? À l'époque, là, je le regrettais énormément, ouais. Là, je me rappelle de ce tournage, enfin des Intrépides, qui était quand même un tournage, un moment heureux, mais dont je profitais certainement pas assez parce que j'avais cette indigestion encore qui passait pas, ce sentiment d'avoir essuyé un lourd échec. Et oui, j'étais dans le ressentiment à l'époque, un peu. La douleur ?
Ouais, la tristesse. Ouais. Physiquement, vous êtes acceptée à partir de quel âge? Je me suis accepté quand j'ai commencé à enquiller les perles à la télé et au cinéma. Je me suis rendu compte que mon physique devenait un atout, puisque j'ai été pris dans cette série parce que j'avais donc 16 ans et que j'en faisais 8. Et ça permettait de détourner la DAS. Vous savez, la DAS qui, heureusement, surveille les enfants, les empêche de travailler trop, de manière trop longue comme les adultes. On les séquence un peu, leur travail. Et moi, eh ben, comme j'avais 16 ans, il n'y a pas besoin de séquencer. On pouvait me faire travailler comme un sourd. Et c'est ce qui fait que j'ai été pris. Et votre voix, ça a été un obstacle à un moment donné? Bah, quand vous êtes au téléphone, quand vous êtes jeune, oui, quand vous êtes un petit garçon de 16 ans, vous avez envie d'être un grand. Et quand on décroche au téléphone et qu'on fait « Tiens, bonjour mon petit » ou « Bonjour madame, est-ce que ton père est là ?» Et c'est vrai encore aujourd'hui? Non, je m'applique au téléphone quand je réponds, je prends une grosse voix à chaque coup. « Allô, qu'est-ce que tu me veux ?» Là, je suis sûr qu'il se dit que c'est un mec. Mais c'est vrai que vous êtes un petit gabarit, quoi. Ouais. Vous pesez remarqué, vous aussi. Non, mais vous pesez combien? 60. Pour 1m70, madame. À la toise, à l'armée. Belle mensuration. Bon, je suis pas épais, quoi, je suis un criquet. Mais il en faut, hein, il faut de tout. C'est grâce à des mecs comme moi que les gens se sentent balèzes et gros. Il en faut des petits, pour comparer. Donc je dis toujours, hein, gros balèze, je dis, t'as de la chance que je sois petit. C'est grâce à moi que tu te sens grand. Est-ce que vous avez connu, Laurent, des galères, des découragements, même des moments presque de dépression? Oui, oui, comme tout le monde. Mais avec ce métier? Oui, oui, j'ai eu des moments où j'y croyais pas, ou des moments où... À un moment où on proposait systématiquement les mêmes rôles dans des comédies que je trouvais faciles, où j'avais la sensation de me diluer, de me reproduire, de rien faire de neuf. Et c'est vrai que le théâtre, en 2004, a été tout d'un coup pour moi une ouverture vers un monde nouveau qui était celui de l'histoire en tant que telle, puisque j'ai joué Mozart, donc je me suis retrouvé au XVIIIe siècle, avec des codes du XVIIIe siècle, avec des costumes, avec des épées, avec des perruques. Et là, je me suis dit, incroyable, mon métier peut me permettre de voyager dans le temps, et comme j'étais un grand passionné par l'histoire, et que j'adorais voyager dans le temps, et bien, je me suis dit, oulala, il faut que absolument que j'associe mon métier avec ma passion. Et c'est né sur les planches de théâtre grâce à mon directeur et un metteur en scène qui s'appelle Stéphane Hillel. Parce qu'en plus, j'ai rencontré ma femme, puisqu'on a vu un extrait, et c'est ma femme avec qui je joue à l'époque. Donc ça a été pour moi un tournant à 180 degrés à tous les niveaux. Vous pensez être un bon acteur? Bon, je ne sais pas ce que c'est qu'un bon acteur. Je crois qu'il y a surtout des... On fait de vous un bon acteur comme d'un mauvais acteur. Je crois qu'il faut avoir... Il faut être inspiré, et pour être inspiré, pour avoir envie, il faut rencontrer un rôle. Je crois que ce qui fait de nous de bons acteurs, ce sont les rôles qui nous font. Je crois que finalement, et d'ailleurs c'est marrant ce qu'il en parle dans la pièce, ce qui nous fait, c'est nos rôles. On n'est pas autre chose, comme dirait Sartre, que la manifestation de nos actes. Et acteur, c'est ce qu'on incarne. Et quand le rôle n'est pas bon, et ben l'acteur est mauvais. Vous en voulez un peu au cinéma de vous snober? Oh non, mais il ne me snobe pas le cinéma. Bah, je suis moins présent parce que ça fait 25 ans que je fais ce métier. J'ai eu des périodes où on me désirait beaucoup. Maintenant, on me désire un petit peu moins. Et en même temps, je choisis peut-être un peu plus du fait que j'ai une vie de famille et j'ai 3 enfants et je ne peux pas tout accepter. Non, tout va bien. J'ai pas de... Oh non, honnêtement, j'ai beaucoup de chance, quoi. J'en veux à personne. Ah, vous êtes de retour sur scène dans Bankable. Alors, Bankable, tout le monde sait, mais c'est du jargon cinématographique. Hein. Ça veut dire que... Rentable. On est rentable, c'est terrible. Mais c'est au Théâtre Montparnasse, c'est une pièce de Philippe Madral et mise en scène par Daniel Collat. Et c'est vrai que j'ai eu le privilège de voir la répétition lundi dernier. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est un rôle, en fait... Enfin, fait sur mesure presque pour vous. Je trouve qu'il vous correspond vraiment très bien. Qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a séduit en fait dans la pièce elle-même? Parce que ça parle des coulisses du cinéma, comment on monte un film. C'est assez cruel et c'est même très cynique. Oui, c'est un petit peu tout ça. La réponse est dans votre question. C'est ça qui m'a plu. Et puis c'est aussi le fait que j'adore le cinéma de Woody Allen et que mon personnage ressemble cruellement, dangereusement à Woody Allen. C'est un mec qui est persuadé qu'il va mourir tous les 30 mètres, donc qui est très fragile. Hypochondriaque. Qui est complètement malade, persuadé que dès qu'il serre une main, eh ben, il va perdre le bras. Et il est drôle pour ça, parce qu'il est exagéré. Il y a moyen de le rendre assez, pas grotesque, mais très, très, très absurde dans ses réactions. Un peu caricatural même. Ouais, oui. Je pense que Woody Allen, dans son cinéma, par moments, il y a
il y a un cynisme, il y a une ironie, il y a une intelligence hallucinante, mais il y a une grosse caricature par moment du scénariste, de tout ce qu'on veut. Mais en même temps, Woody Allen, il représente, il manifeste un peu tout ça. Cette espèce d'anxiété, cette névrose, on sent que le gars est pas tranquille alors qu'à côté de lui, il a les plus belles femmes du monde pour le rassurer. Quand vous vivez avec Diane Keaton, comment ça peut mal se passer? Ça n'est pas possible, Woody. Je vais te montrer comment ça peut se passer forcément bien avec Diane Keaton, quoi. Vous évoquez, enfin, évoquez avec vérité comme ça les coulisses du cinéma. Est-ce que c'est pas le démystifier? Oh bah, il y a longtemps, je pense que chacun sait un peu comment ça fonctionne. Et vous que... croyez ça? Oui, c'est comme dans tous les domaines aujourd'hui. C'est une usine, c'est une industrie qui doit créer de la richesse, qui doit créer de l'argent. Et pour créer de l'argent, il y a plusieurs méthodes. Et par moments, on a tendance à céder un peu trop à des compromis, à des évidences, à des dénominateurs communs qui font que le film perd peut-être en puissance, en originalité, en quelque chose d'un peu plus singulier, comme ça, qui va chercher à... élitiste, pointu, ou je sais rien, ouais, pointu, et qui va vers quelque chose de plus facile, de plus efficace, mais parce qu'on se rassure en se disant, bah là, ça fera plus d'entrée. C'est, le cinéma englobe tout ça, mais c'est pareil pour tous les domaines de la vie. Mais néanmoins, il y a quand même plus de névrose, non, dans le cinéma? Ah bah, je pense, et puis, c'est, vous savez, à force d'être interviewé comme on l'est par vous, on finit par se sentir intelligent, se sentir intéressant. Tiens, bah, c'est à nous qu'on demande la parole, c'est à nous qu'on demande notre opinion, etc. Donc, il y a un gros danger pour un acteur ou quelqu'un comme ça qui est sous les projecteurs, c'est de se sentir et de se croire vraiment intelligent et de se prendre pour le messie. Vous êtes bankable? Je l'ai été au cinéma, je ne le suis plus, je ne suis pas trop. Là, je suis ce qu'on appelle casting intermédiaire. C'est-à-dire qu'on peut me faire confiance, mais il faut lire l'histoire. Casting intermédiaire, ça existe, ça. Ouais, quand on ne pense pas à l'acteur bankable, ben on va se rabattre sur une deuxième liste dans laquelle je fais partie. Au théâtre, vous l'êtes? C'est la D2, je suis dans la D2. Mais bon, il y a de bonnes équipes hein, dans D2. Il y a Laval. Mais au théâtre, vous l'êtes bankable? Oui. Ouais. Parce que vous êtes à l'affiche. On monte des projets sur moi au théâtre sans trop réfléchir. D'ailleurs, attention, il faut réfléchir quand même. Quel est votre pire souvenir de tournage, vous? J'ai une mémoire sélective qui fait que je garde que les bons souvenirs. J'évite... Oh, y a un souvenir un peu marrant. J'ai fait un film en Hongrie il y a quelques années. J'étais très fier, puisque donc, je jouais un Hongrois. Et je découvre le film à Budapest. Hongrois. En Hongrois, ouais, je découvre le film et je me rends compte que je parle super bien. Mais vraiment bien, quoi. Je me dis, putain, non seulement j'étais... Ça passait, quoi. Et j'avais pas d'accent, super. Je suis hyper fier. Et le réalisateur vient à la fin, il vient... Excuse-moi, hein, on a dû te doubler. Hein, t'as vu, parce qu'on n'y croyait pas. Hein, t'as un espèce d'accent russe, là, ça marchait pas. Voilà. Et ils avaient doublé avec un mec qui avait une voix proche de la mienne. Et moi, je pensais que c'était moi. Ouais, voilà, ça calme. On n'est que les ingrédients d'une recette quand on est comédien. Au théâtre, un peu moins, mais au cinéma, en tout cas, complètement, on peut faire ce qu'on veut de nous. Retour, alors, sur des tournages qui sont vraiment maudits dans l'histoire du cinéma, avec Laurent Delmas, que tout le monde connaît, qui est critique cinéma sur France Inter. Et Alexandre Agarde l'a rencontré. Et vous allez voir, on en connaît certains, mais on ne connaissait pas les dessous. Match. Au moment de la promotion, de la sortie des films, on interroge des réalisateurs et des acteurs, et tout s'est très 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 bien passé. C'est-à-dire, à les entendre, c'est un formidable conte de fées. Alors, évidemment, la réalité... parfois est autre, avec effectivement des intempéries, des budgets qu'on dépasse, un metteur en scène tyrannique, un acteur aux prétentions pharaoniques. Le premier film qui me vient à l'esprit, c'est Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. Il y a alors évidemment un typhon qui s'en mêle. Les techniciens locaux philippins portent des t-shirts avec des numéros. Parce que s'ils se noient, comme ça on pourra repérer le cadavre. Avec un Coppola qui devient à moitié fou. Je suis comme une voix qui s'écrie. Ça ne marche pas, sortez-moi d'ici. Les grands acteurs d'Hollywood se défilent. Il y en a un qui dit oui, c'est Marlon Brando. Mais à $1 million par mois, il va arriver comme un Bouddha énorme sur le tournage. Donc Coppola réécrira une partie du scénario pour s'adapter aux physiques de Brando. Yes. Bien sûr qu'un Brando est tyrannique, bien sûr que Elizabeth Taylor dans Cléopâtre avait des revendications impériales. Mais enfin, comment ne pas perdre le sens des réalités sur un tournage quand on sait que les décors étaient recouverts de véritables feuilles d'or, véritables... Après, l'ego des acteurs, qu'il soit surdimensionné, comment s'en étonner? Il y a effectivement des tournages où l'ego est à l'œuvre, voire la perversité. On a par exemple avec Alfred Hitchcock, pour Les Oiseaux, un tournage
qui a été pour l'actrice principale Tippi Hedren un cauchemar parce que il en tombe raide amoureux, il ne cédera pas et lui, eh bien, va le prendre très très mal. Hitchcock ne trouvera rien de mieux que de lui lancer à la figure des vrais oiseaux. Elle sera blessée et elle ressort évidemment traumatisée. Clouzot, voilà, Clouzot, il avait cette réputation-là de maltraiter les gens. Reggiani, qui finit par craquer, qui finit par tomber en dépression sur le tournage. Romy Schneider, elle, va jusqu'au bout, mais avec une difficulté, là aussi. Et au fond, tel est pris qu'il croyait prendre, c'est Clouzot qui finira par souffrir d'un infarctus. Le tournage, à ce moment-là, se termine. Abdelatif Kechiche est un petit peu proche de certains autres metteurs en scène comme Piala, par exemple, qui n'hésitent pas à demander et à exiger de leurs actrices et de leurs acteurs des choses qui peuvent paraître excessives. Ce tournage a pu nous traumatiser sur certaines choses et voilà. Et Piala, on sait que ça a été dur. Ouais. Vous retourneriez avec lui ? Non. La fin justifie-t-elle les moyens ? Est-ce qu'une palme d'or vaut le coup de temps, de difficultés, de douleurs, etc. ? C'est la question. C'est toujours très difficile de juger ce genre de choses. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, d'être maltraité ? Non, ça va. Ça va, heureusement. Je suis passé entre les gouttes pour l'instant. Mais est-ce que vous l'accepteriez ? Je sais pas, c'est ce que vient de dire le journaliste qui est mieux placé que moi, puisqu'il a l'air, enfin, qui maîtrise un peu plus le sujet que moi. Je pense que. Je ne sais pas jusqu'où on peut obtenir des acteurs de sortir une vérité, de sortir une émotion en les maltraitant, en les déstabilisant. On a besoin de ça aussi. Hein. Des fois, on réclame un moment où il va y avoir un dédoublement, où on va être vraiment, on va sortir de nos gonds pour produire quelque chose et on va se dire, là, tout d'un coup, j'ai été quelqu'un d'autre. Donc, pour certains réalisateurs, tous les moyens sont bons. La pièce Bankable que vous jouez actuellement, elle parle aussi de jeunisme. Elle parle de la difficulté de vieillir. Ouais, ce qui explique que les actrices très vite ont recours à la chirurgie esthétique. Et même les acteurs. Et elles se finissent par se transformer en poisson. Là, il y a qu'à voir Nicole Kidman, c'est hallucinant. C'était la plus belle femme du monde et aujourd'hui on la reconnaît pas. Je lui donne même pas une pièce dans la rue, moi. Mais c'est dommage. Et les acteurs aussi. Les acteurs, ouais, il y a un culte du jeunisme, d'être superbe, de pouvoir attirer. Là encore, d'être bankable, rentable, fédéré autour d'une idée du beau, d'une idée de la perfection. Dans la pièce, l'icône. L'acteur a une cinquantaine d'années et il va être remplacé par un garçon de 25 ans. Ouais, voilà. Il est jugé plus apte parce qu'il commence à avoir des coups, des rides, alors que moi je considère que les rides, c'est magnifique. Les rides, c'est les stigmates d'une vie, quoi. C'est le témoignage d'un parcours, d'une aventure à raconter, à transmettre. Voilà. Alors que, au contraire, d'être lisse, c'est être pauvre. Quelle est la plus belle rencontre que vous ayez faite en tant que partenaire avec un acteur ? Oh, j'ai une actrice. J'ai eu la chance de tourner avec plein de gens formidables. Ceux qui m'ont le plus épaté, ce sont ceux qui avaient le plus de métier et qui gardaient leur curiosité, qui gardaient leur dynamisme, qui gardaient à la fois leur générosité, leur éveil et leur bonheur d'être sur un plateau. Par exemple, je pense, on a vu une photo tout à l'heure des Ripoux, je pense à Philippe Noiret ou même Thierry Lhermitte. Qui sont des soleils et qui sont vraiment solaires, quoi. Qui, quand ils arrivent sur le plateau, vont chercher les sourires pour y participer. L'ermite, c'était hallucinant, quoi. Il cherchait les endroits où ça parlait de trucs sympas. Dès que ça parlait de trucs pas sympas, il s'en allait, ça l'intéressait pas. Mais dès que ça rigolait d'un truc, d'une bricole, d'un truc un peu curieux, il allait là. Et après, sur le jeu, sur la scène, il était le premier à essayer de rajouter un petit truc drôle, à être dans la fabrication du bonheur. Mais vous êtes très concentré, vous, sur un plateau ? On peut pas dire ça. Non, je suis content. Je suis content d'être sur un plateau. Moi, je suis content de faire ce métier. Donc, mais il y en a d'autres qui se prennent la tête, vous voyez. Moi, je m'étais engueulé. Pas la nuit. Je me souviens, j'avais tourné un film avec Dieudonné et Lambert Wilson et François Berléand et Stéphane Guérin-Tillier. On était 5 dans une voiture pendant 3 jours. Et on faisait que des conneries avec François Berléand et Dieudonné. On faisait des vannes tout le temps. Et à un moment, Lambert a craqué et nous a dit arrêtez, j'arrive pas à me concentrer. Et lui avait besoin de ça, ça avait besoin un petit peu plus, alors que c'était quelqu'un de savoureux, hein, c'est quelqu'un de délicieux, qui est le premier à déconner, etc. Mais dans le travail, il avait besoin de cette espèce de une petite coquille, comme ça, un petit cheminement pour quitter son habit du quotidien, pour entrer dans celui du comédien. Moi, j'avoue que j'ai pas besoin de transition, etc. Donc, faut savoir le respecter. Mais oui, c'est là qu'on voit les natures. Dans cette voiture, en tout cas, ça a été une espèce de
de précipité quoi, chimique, où on voyait les différents ressorts de la manière de se concentrer pour aborder la scène. Vous partagez votre vie avec une comédienne, hein, on le disait, Marie-Julie Bopp. Quelle est la mauvaise facette, en fait, de partager le même métier dans un couple ? Moi, je veux surtout des bonnes facettes, c'est qu'on se connaît, on se comprend. Là, moi, je viens de commencer une pièce donc, au Théâtre Montparnasse, et donc y a une urgence. Je suis sur ça, je me concentre, et du coup, elle sait que tout ce qui est autour est un peu satellite pendant une semaine. Donc, elle prend en charge un peu plus le quotidien, l'intendance, les courses, les enfants. Elle multiplie les trucs pour me laisser m'installer et pénétrer le rôle. Elle sait. Elle connaît les moments où on a besoin d'être un peu sur soi et on parle le même langage. Après, l'inconvénient, c'est que je sais les désirs qu'elle a en tant qu'actrice. Et quand moi je travaille et qu'elle ne travaille pas, je sais la souffrance qui peut petit à petit s'introduire, s'installer, le besoin de... On n'est pas acteur dans nos salles de bain, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de jouer à la face du monde. Donc quand il y en a qui travaille et pas l'autre, ça peut être assez instable et assez inconfortable pour le couple. C'est un obstacle d'être la femme de Laurent Deutsch ? Mais elle, dans le métier ? C'est pas qu'elle lutte contre ça, parce qu'elle a existé avant, elle existait avant moi et elle fait plein de choses sans moi. Mais ouais, elle n'a pas envie qu'on se dise à un moment, mais j'ai pas besoin de Laurent Deutsch pour travailler. Elle n'en a jamais eu besoin. Elle a 12 milliards de projets, elle a 12 milliards de choses. Elle est en plus c'est une actrice ultra talentueuse, donc elle n'a pas besoin de moi. Et ça l'énerve quand tout d'un coup on l'appelle pour m'atteindre, pour me joindre ou quoi que ce soit. Elle me dit, mais tu se démerde quoi. Je ne suis pas la secrétaire de Laurent Deutsch. Je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais, ni pour jouer des rôles, ni pour répondre à des sollicitations. Est-ce que vous votez au César? Oui. Vous avez un favori ? Pierre Niney. Je l'adore. Il est super. Il est génial. Voilà. Dans France ? Dans France, ouais. Dans France, le film est sublime. Il est bluffant dedans. Ouais. Il est bluffant dans tout ce qu'il fait, d'ailleurs. Roman Polanski, il a eu raison de se retirer de la présidence des Césars ? On est dans une époque inflammable, virale, où tout d'un coup, tout va devenir un interdit fou. Alors que ça fait 40 ans qu'il y a eu l'effet de ce qui lui est reproché, que je ne commenterai pas, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Apparemment, il y a quand même quelque chose, hein. Je ne le dédouane pas, mais c'est à 40 ans. Et en 40 ans, il a fait tout un parcours. Il a été président de plein de festivals, il a été président du Festival de Cannes, et on ne lui a jamais ou peu empêché d'être président des Césars. Et en plus, il y a sa place en tant que réalisateur. Et là, tout d'un coup, en ce moment, dans cette période qui est très inflammable, où tout d'un coup, des réseaux sociaux, des gens dont on ne sait pas trop d'où ça sort, etc., qui exigent des choses, arrivent à vous dégommer, voilà, dégommer Roman Polanski. Il faut aussi rappeler que la victime lui a pardonné. Oui, mais encore une fois, ne lui faisons pas un procès, on n'est pas là-dedans, moi je ne connais pas le dossier, je ne maîtrise rien, donc je ne lui pardonne pas, comme je ne l'accable pas, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ce que je sais juste, c'est qu'en 40 ans, il a fait plein de choses, on ne lui a jamais rien dit, et qu'aujourd'hui, en 2017, parce qu'il y a une espèce d'épuration morale hyper forte, où dès qu'il y a une tête qui sort, on fait tout pour la dégommer, on va chercher, on va fouiller, et après ça s'enflamme, et j'en ai été la victime aussi, c'est assez... C'est vrai que vous en avez été victime sur les réseaux sociaux, vous. Ah, oui, on moi est très très dur avec vous. Est-ce que vous le comprenez, ça? Pourquoi il y a tant d'inimitié vis-à-vis de vous? J'en sais rien, peut-être parce que j'ai aussi beaucoup de fans, alors il faut rééquilibrer, et ça fait pas de mal, parce que d'avoir des critiques, ça vous remet les pieds sur terre. Mais vous savez que même César, quand il était empereur, payait Catulle pour qu'on dise du mal de lui, donc ça me fait du bien, moi je les paye pas, c'est gratuit. Quelle est la critique qui vous blesse le plus ? La critique, il y a beaucoup de critiques qui vous blessent, parce que vous vous sentez incompris, vous vous dites « mais ils n'ont pas compris mon travail ». Et moi, dans mon travail de passionné d'histoire, celle qui me blesse le plus, c'est quand j'entends dire que je serai un chantre d'un espèce de repli nostalgique du passé. Mais c'est tout l'inverse, moi. C'est parce que j'aime mon présent, je me renseigne. C'est une orientation même idéologique. Oui, qu'on va dire, bah, il n'aime pas la France d'aujourd'hui. Il va se précipiter dans le passé parce que la France d'aujourd'hui, métissée, multiple, plurielle, ne lui plaît pas, donc il veut. Mais c'est complètement faux. Donc il est réactionnaire. Voilà, mais c'est complètement faux. Moi, j'aime l'histoire à partir du quotidien, à partir de la géographie. C'est parce que j'ai la sensation de vivre dans un pays merveilleux, plein de surprises, plein de complètement inattendus et passionnants, que je vais chercher l'histoire pour mieux décrypter et apprécier et continuer à aimer vivre dans mon présent. C'est le présent qui m'a amené à l'histoire et pas l'inverse. Vous êtes bankable, vous, hein ? Dans l'édition, ça va. Ah bah ça, c'est certain. Ça va, ouais. Le premier Métronome 1, c'est 1 600 000. Mm-hmm. Et le second, vendu à plus de 100 000 exemplaires. Une flânerie hein, à travers Paris intime, fil de ses rues. Et vous choisissez votre lieu d'habitation
à partir du nom de la rue, parce que je sais que vous déménagez beaucoup. Ouais. Alors, ça donne quoi? J'adore déménager. Les noms des rues. Ah ben, les rues, elles sont passionnantes parce qu'elles ont une histoire. Vous choisissez vos lieux d'habitation en fonction du nom de la rue? Je choisis mes lieux d'habitation en fonction des endroits où je suis jamais allé. Parce que ce que j'adore, c'est rentrer chez moi et prendre un itinéraire un peu nouveau. C'est curieux. À pied? Ouais, à pied, à cheval ou en voiture, n'importe quoi. J'adore chercher un raccourci, chercher un chemin, découvrir tout d'un coup une nouvelle enseigne, être frappé par un autre magasin, par une autre rue, par quelque chose de surprenant. Et j'ai la sensation que je suis jamais pris dans un ronron, dans une espèce de systématisme de déplacement. Et c'est pour ça que j'aime bien déménager. Vous habitez-vous à Paris en ce moment? En ce moment, je suis dans le Nord-Ouest, dans le 17e. Qu'est-ce qu'on apprend de plus, en fait, dans votre livre que l'on peut apprendre sur Wikipédia avec un clic? On va déjà apprendre que tous les lieux que je référence dans mon travail, ils sont accessibles. Ils sont immédiatement accessibles, gratuitement, sans faire des détours, sans faire des trucs. Donc j'ai eu une exigence d'emmener les gens dans une promenade où tout ce que je raconte, ils vont se retrouver nez à nez avec. Donc il y a vraiment une proximité entre le récit que je présente et le voyage qui est en train de faire le lecteur. Donc il sera pas déçu par la marchandise. Ça y est, c'est du vrai, c'est inspiré de faits réels et c'est encore en place. Alors, il y a un fait réel dans votre vie, c'est que tous les mardis, vous allez dans le 16e. Oui, jouer au foot. Nous le savions. Alors on a rencontré... Le midi à deux. Ouais, on a rencontré deux personnes à qui vous donnez rendez-vous chaque mardi, c'est Alexandre Raton et Julien Dagorneau. Ouais. Mais la semaine dernière, ils vous ont posé d'ailleurs un lapin parce qu'ils étaient avec nous pour nous parler de vous, Laurent. Laurent, moi je l'ai rencontré au foot maintenant il y a plus de 10 ans, c'est mon meilleur pote. On s'est rencontrés dans le jeu, hein, dans le cœur du jeu. On est rentré sur le terrain et on a échangé les passes et c'est comme ça qu'on a commencé à se connaître. Il est intelligent dans son jeu, mais il fait pas d'efforts. Faut que tu cours, Lolo, faut que tu cours. Mets-toi à courir. Bah, le problème, c'est le coffre, enfin, je pense. Hein. Lolo, une petite cage. Il est un petit peu hypochondriaque. Il est toujours un peu malade. Même quand ça va bien, il est toujours un petit peu malade. Il est toujours un peu fatigué. Ça, c'est la bonne excuse pour pas faire les efforts. Il se place. Il est malin. On discute même pas, c'est attaquant. Défenseur, faut pas. Il faut pas. Ou pas longtemps, mais... Ouais, un petit renard, parce que déjà, son petit coup de... Avec son petit pied gauche, il a fait le renard un peu, c'est ça. Et c'est un petit renard. Sa principale qualité, je dirais, généreux. Il est généreux. C'est pas quelqu'un d'individualiste, pas du tout, au contraire. Je pense que c'est quelqu'un de très simple, qui aime les choses simples. Et on a tellement besoin de ça, maintenant, en fait. Il arrive à se trouver, malgré un emploi du temps très chargé, du temps. Pour les gens qu'il aime, et ça c'est important. Notamment ses enfants, sa femme, sa famille et ses amis. Ça c'est précieux. Il est avec son petit scooter, je sais pas, je me dis, le mec avec son petit scooter, avec son petit casque comme ça. Non, il a pas du tout de good luck même, on peut dire. Des fois on lui dit, putain, achète un truc, Lolo, merde, tu viens. Et là, non, il vient avec son petit machin, c'est assez marrant. Ça lui fait du bien de temps en temps aussi, de se détacher de cette notoriété. Quand on est un ami, je veux dire, on lui parle de quelque chose, il est à l'écoute, Des fois, il fait comme ça, un peu comme s'il n'entendait pas, mais il peut avoir des bonnes réponses, souvent. Parle trop vite, il me saoule. Évidemment, il peut beaucoup parler. Hein. Si vous vous mettez à table avec lui, à un moment donné, que vous lui dites un truc sur Paris, là, vous êtes mort. C'est fini. Il faut qu'il arrête de me parler d'histoire et de métronome. C'est bon, on l'a fait, métronome, stop. Arrête, Lolo, je t'en supplie. Arrête de me parler d'histoire. T'emballe pas, Lolo. Vas-y, tranquille. Si tu peux redescendre un tout petit peu plus de temps en temps et pas regarder le mec marcher à côté, ça serait sympa, parce que nous qui sommes en défense centrale, on rame après. Donc tu gueules parce qu'on perd les matchs, mais fais les efforts. Si tu frappes, prends demi-volée ou la balle par terre, mais la prends pas en haut, la balle. En haut. Parce que là, sinon, tu pars dans les étoiles. Bisous, mon pote. Ah, les conseils. Ils sont bons. Mais vous les saoulez avec l'histoire, avec un grand H? Je sais pas si je les saoule, mais c'est vrai que moi, ça me rattrape tout le temps. Ça rentre par effraction chez moi en permanence. Donc, j'ai envie des fois de savoir. Et on s'appuie souvent sur l'interlocuteur, non pas pour l'écouter ou avoir sa réaction, mais voir nous-mêmes comment ça, le raisonnement évolue. Donc, par moments, c'est vrai que je les prends un peu en otage. Bon, merci à eux. Ce sont des bons potes, si j'ai bien compris. Et des très bons footballeurs. Des bons footballeurs. Voilà, le petit à gauche, là, il a raté sa carrière, mais il était en centre de formation à Auxerre. Et l'autre, il a joué à Versailles. Il a encore un niveau. Il y a des arbitres. Il y a une dizaine d'années, il ne l'a pas dit, mais il y a une dizaine d'années, des arbitres s'échangeaient les primes pour venir le voir jouer en football, championnat amateur où on était, parce qu'il avait toujours des gestes techniques hallucinants, était très fort. Là, il a pris un petit coup de vieux, là, mais il est moins bankable au foot. Mais ils étaient très forts. Il était très fort, le bleu, là. Avant de parler de Kennedy, du président Kennedy et de Marie Meyer, je vais vous laisser pendant une minute, Laurent.
Mais pourquoi? Vous allez où? Je pars, moi. Mais vous n'avez pas besoin qu'on vous accompagne? Non, ça va. Moi, bon. J'ai un petit truc à faire là pendant une minute. Alors, je vous laisse. Vous faites ce que vous voulez sur le plateau. D'accord. Le plateau est à vous. Voilà, vous occupez les téléspectateurs. Hein, ah oui. Qui restent avec nous. Hein. On fait confiance. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Vous voulez que je vous raconte une histoire? Ah, mais je suis très content d'avoir le plateau. Donc, bon, écoutez, on est dimanche. Hein, donc, alors, le dimanche, on peut parler du travail le dimanche, par exemple. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre le travail le dimanche? Moi, ce que je trouve formidable avec la vie, c'est tout d'un coup, c'est les changements. C'est les changements de rythme, quoi. C'est les cassures. Et je trouve que la cassure du dimanche, eh bien, elle est assez nécessaire, quoi. Parce que si tout d'un coup le dimanche ressemble à n'importe quel autre jour, eh bien, on va y perdre, quoi. On va se diluer dans une espèce de constance comme ça, où la vie va passer comme un tapis roulant qui s'arrête jamais. Alors que le dimanche est peut-être aussi un marqueur temporel. Il nous marque, hop, on s'arrête un peu. On peut aller bouffer en famille, on peut se faire inviter par les beaux-parents. D'ailleurs, j'en propose à ma belle-mère. Écoutez, Françoise, arrêtez de faire votre poulet rôti. Hein. Déjà, il est trop petit. On est 8, donc un poulet pour 8, c'est pas possible. Et il est trop sec. Il est vraiment trop sec. Alors que vous avez un petit filet mignon de porc au gingembre, à l'orange, qui est formidable. Vous le faites pas assez. Faites-vous confiance, Françoise. Voilà, je vais aller manger chez vous ce midi, dimanche. Je sais qu'il va y avoir un poulet rôti. Regardez. Je suis déprimé. J'ai envie de faire l'émission plus longtemps. Je vais rester. Je vais aller même faire l'émission du jour du Seigneur après. Donc. Le sketch! Non, mais c'est vrai, hein. C'est inspiré de faits réels. Hein. Ma belle-mère, elle se rend pas compte des quantités. Quand on est 8, elle fait un petit poulet. Des fois même, c'est une caille. Mais Françoise, elle est sympa quand même de vous inviter tous les dimanches. Elle est formidable. Bah, non, mais j'aime beaucoup ma belle-mère. Remerciez-la aussi. Ouais, mais vous n'avez pas été dans sa cuisine. C'est pour ça que vous êtes si malin. Évidemment, il n'y a rien à bouffer. Mais je comprends mieux maintenant. Moi, je mange parce qu'on fait manger les petits avant. Mais moi, je reste parce que j'en profite pour picorer ce que mon fils ne mange pas parce qu'il ne mange pas beaucoup. Donc, je bouffe un peu son assiette pour me préparer à rien bouffer derrière. Je voudrais qu'on reçoive Alexandra Eshkenazi pour nous parler d'un épisode de l'histoire américaine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. On va parler du journal de Marie. C'est le livre que vous avez écrit. C'est aux éditions Belfond. Moi, ça m'a passionnée. J'ai découvert une femme que nous ne connaissions pas. On savait quand même que John Kennedy était un homme volage, mais on ne connaissait pas cet épisode intime de sa vie. Alors, qui est Marie Meyer? Alors, Marie Meyer, c'est donc une maîtresse de Kennedy. Bon, il en a eu plein, donc ça, c'est pas vraiment une nouveauté. En revanche, c'est une maîtresse qui est totalement à part pour lui, puisque c'est la femme qu'il a vraiment aimée. C'est en fait son premier amour. Ils se sont rencontrés quand il avait 19 ans, elle 16 ans. Et ils se sont retrouvés 20 ans plus tard, juste au moment où lui entre dans la course à la présidence. Et donc, ce n'est pas vraiment le bon moment, mais l'histoire va quand même se faire, avec beaucoup d'obstacles. Alors, comment vous avez eu connaissance de cette femme? Totalement par hasard, en fait. Je n'étais pas spécialement fascinée par Kennedy ni par cette période de l'histoire. Je suis journaliste de formation à la base, donc j'ai travaillé pendant 15 ans pour un journal populaire, Le Parisien. Donc, curieuse de nature. Et je suis tombée par hasard sur une émission sur Kennedy et ses maîtresses, donc le truc tout à fait classique. Et à un moment donné, le journaliste dit « Mais son grand amour était une femme dont les initiales étaient MM. » Donc, comme tout le monde, je me dis « Marilyn Monroe. » Et le journaliste dit, non, vous pensez à Marilyn Monroe, mais cette femme, Mathieu, voilà. Était peut-être un peu jeune. Mais cette femme, c'était Marie Meyer. Et Michel Morgan. Oui, aussi. Et elle a été assassinée un an après lui. Donc, évidemment, ça a éveillé, aiguisé ma curiosité. J'ai commencé à chercher. Et là, je suis complètement tombée dans cette histoire parce que c'est une femme totalement méconnue du grand public français, mais aussi américain. C'était une artiste, une peintre. Alors, c'est au départ, c'est une femme, une intellectuelle qui s'est mariée très jeune avec un homme qui sera un des grands pontes de la CIA plus tard, avec lequel elle a eu trois enfants. Ça a une importance. Bien sûr. Avec lequel elle a eu trois enfants. Elle fait partie de la haute bourgeoisie américaine. Donc même, elle est socialement au-dessus de la famille Kennedy. Donc quand ils se rencontrent jeunes, elle le méprise et elle n'est absolument pas intéressée par lui, contrairement à lui. Et le couple Marie Meyer et Cord Meyer, qui est donc son époux, va vivre un drame terrible puisqu'ils ont trois enfants et un des enfants qui va mourir accidentellement. Et à partir de là, le couple ne tient pas. Ils se séparent, elle déménage et elle s'installe à Georgetown, dans le quartier le plus huppé de Washington, et à quelques pâtés de maison du couple Kennedy. Donc c'est à ce moment-là qu'ils se revoient. Sauf qu'elle n'est pas du tout dans un état d'esprit pour avoir une nouvelle histoire. Elle est dans un état d'esprit pour sauver sa peau. Et elle décide de se lancer dans la peinture.
et surtout de fréquenter un autre milieu que le sien, qui est le milieu avant-gardiste de Washington. Donc on est dans les débuts des années 60, donc c'est voilà, toutes les expérimentations futures que nous on va connaître en 68. Même de drogue. Exactement. De LSD. Le LSD, puisque c'est, à l'époque, ce n'est pas interdit. Donc, Elle aura de l'influence, une influence politique sur lui ? Alors, moi, évidemment, j'ai pris l'option dans mon roman, qui est son journal, parce que c'est avéré qu'elle a écrit un journal, mais il a disparu, de montrer qu'elle a eu une influence. On n'en a aucune preuve. En revanche, les preuves qu'on a, c'est des dates très précises, où elle a passé des nuits à la Maison-Blanche, et c'est des dates, certaines dates sont vraiment des moments historiques clés, comme la crise des missiles de Cuba, et je n'imagine pas un instant, vu la relation qu'elle avait avec Kennedy, qu'il n'en ait pas parlé. Après, voilà, c'était pas une Matahari, mais elle représentait, je pense, pour lui le bon sens, parce qu'on se rend pas compte, quand on arrive à ce niveau-là, finalement, l'entourage, on sait plus vraiment sur qui on peut compter, y avoir quelqu'un avec qui on peut discuter simplement, on peut échanger et qui représente le bon sens, je pense que c'est important. Oui, parce en fait, qu'elle même avait pour vraiment confiance en elle. Oui, oui, oui. C'était vraiment. Qui avait connaissance de leur idylle ? À mon avis, tout le monde. Je pense que c'est comme. C'était un peu comme la Anne Pinjot de Mitterrand, c'est-à-dire que c'est la femme cachée, mais en fait cachée du grand public. Tous ces gens-là, moi je suis allée à Georgetown, donc je ne sais pas si vous y êtes allée, mais Georgetown, en fait, c'est un tout petit quartier, il y a 4 rues, et tout ce qui comptait à l'époque dans le milieu médiatique, le milieu politique, les espions, tous ces gens-là habitaient dans 2 rues. Et c'est impossible que cette histoire soit restée cachée. Je pense que même Jackie était au courant. D'autant plus qu'elle passait, ça aussi c'est avéré, parce qu'il y a eu des enquêtes très approfondies de journalistes vraiment sérieux aux États-Unis sur cette femme. Et je pense vraiment qu'en allant à la Maison-Blanche, puisqu'il y a des dates, vraiment, elle se loguait pour y aller. Il y a tout le personnel qui était au courant, tous les conseillers qui étaient au courant. Donc c'est vraiment la femme cachée. Aujourd'hui, ça ne pourrait plus rester secret. Je pense que si. Vous croyez ? Les années 60. Oui, mais si, la preuve, il a fallu que François Hollande sorte de chez lui en scooter pour que ça c'est sache. Pas faux. C'est mais pas tant faux. Qu'il était à l'Élysée, ça ne se savait pas. Donc je pense que le président reste le président. Et à partir du moment où c'est... Et d'ailleurs, il le dit dans le roman, c'est moi le président. Donc si tu veux, personne ne parlera. Donc on a quand même, je pense, certains secrets qui peuvent durer malgré cette période de réseaux sociaux. Et, Laurent, ça vous inspire quoi ? C'est passionnant. De toute façon, tout ce qui est la petite histoire qu'on tire comme ça, qu'on démêle et ça nous amène sur la grande histoire, comme cette fameuse présence avérée pendant les moments clés où évidemment, ça devait pas être hermétique, puisque si elle était là, c'était qu'elle a dû discuter, échanger, et donner son avis et peut-être influencer, on n'en sait rien. En tout cas, c'est passionnant, c'est excitant, parce qu'en plus, ça vous ramène les grands acteurs de notre patrimoine historique à une humanité proche de la nôtre, quoi, avec des vicissitudes, avec des penchants, des travers, des non-dits, des faces d'ombre. Voilà, même les personnages les plus exceptionnels sont finalement terriblement normaux. D'ailleurs, et à travers cette histoire, Alexandra, on comprend d'ailleurs que John Kennedy était insentimental. Il est très attaché à elle. Il est très attaché à elle. Alors ça, c'est aussi mon parti pris de romancière. Mais je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Donc pour avoir son point de vue à lui, parce que c'était intéressant d'avoir son point de vue à lui, j'ai inventé des lettres de Kennedy. Et donc à travers ces lettres, j'ai voulu montrer en fait un autre Kennedy qui est attachant et qui est donc très amoureux de cette femme. Et le truc incroyable, c'est quand le roman est sorti, 15 jours plus tard, il y a une lettre de Kennedy à Marie Meyer qui a été publiée et mise aux enchères. Franchement, elle aurait pu se glisser parmi les miennes. Donc, c'était assez troublant pour moi parce que j'ai fait le parti pris dans mes lettres d'un langage tout à fait direct, sans masquer ce qu'il était, c'est-à-dire un peu vulgaire, un peu coureur, mais effectivement sentimental. Il aimait vraiment cette femme et en plus, il savait que cette histoire était totalement impossible. Quelle fut la fin de Marie Meyer ? Eh bien, fin tragique. Elle a été assassinée un an après lui. À midi, lors d'une balade le long du Potomac à Washington, par 2 balles dans la tête. Et à ce jour, on ne sait toujours pas qui l'a tué. Il y a eu un procès à l'époque.
ils ont arrêté un type qui passait par là. Donc malgré le procès, le type a été blanchi et aujourd'hui c'est un cold case. On ne sait pas qui l'a tué. Alors je donne une piste dans mon roman, ce n'est pas l'essentiel de mon roman parce que moi c'est vraiment l'histoire d'amour et ce qui s'est passé entre eux, mais on ne sait pas. Voilà, ça reste toujours le crime mafieux, selon vous. Alors, selon moi, les lecteurs le découvriront. Non, je ne suis pas du tout dans cette histoire de complot. En revanche, je pense que c'est... On est quand même dans une période de paranoïa. C'est la guerre froide. Hein. Elle a toutes tous les goûts qui peuvent déranger à l'époque l'entourage de Kennedy par son aspect avant-gardiste et tout ça. Donc je pense que c'est l'œuvre de quelqu'un... Une femme de gauche, plutôt. Exactement. Ouais. Qui le poussait à tendre la main à Castro, qui le poussait plutôt dans une politique pacifiste. Donc elle dérangeait. Mais je pense que c'est l'œuvre de quelqu'un d'isolé. Donc je donne une piste, voilà, quelqu'un qui perd un peu la tête et... Qui évidemment dans son entourage, hein, mais je ne suis pas dans un truc... Mais c'est crédible. En ce moment, on parle beaucoup de Kennedy avec le film Jackie. Vous ne l'avez pas vu, vous? Non, pas encore. C'est un film avec Nathalie Portman. Elle est assez exceptionnelle, vraisemblablement. Elle aura un Oscar, à moins que ce soit pour elle, notre Isabelle Huppert nationale. Regardez la bande-annonce. Les gens ont besoin de leur histoire. Ils ont besoin de savoir que de vraies personnes ont vécu dans cette maison. Les gens aiment croire aux contes de fées. Je me suis habituée à ce qu'il y ait un énorme fossé entre ce que tout le monde croit et ce que je sais être la vérité. Je ne suis plus la première dame. Vous pouvez m'appeler Jackie. Ce qui était vrai, ce qui n'était qu'une représentation. J'ai perdu le fil quelque part. Jackie, la première dame avec Nathalie Portman, on précise, ça, c'était vraiment un film avec un prisme très court. C'est essentiellement le jour donc, de la mort, de l'assassinat donc, de John Kennedy et ensuite l'organisation des funérailles. Qu'est-ce que vous pensez de cette Jackie? Elle est volontaire, elle est déterminée, elle veut absolument mettre en avant, en fait, valoriser l'héritage politique de son mari. Elle construit en fait son image. Exactement. Donc je pense qu'effectivement, c'est une femme pour qui le rôle de First Lady était très, très, très important. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'elle fermait les yeux sur toutes les aventures de son mari, parce que la fonction présidentielle était au-dessus. Et en définitive, c'était une femme de pouvoir. Oui, exactement. En tout cas, c'est comme ça que je la décris. Et d'après ce que je comprends du film, c'est aussi l'image qui en est donnée. Le journal de Marie, c'était aux éditions Belfond. Merci beaucoup, Alexandra. Merci. Laurent. Oui. On se rend au dos à dos. Dos à dos. Dos à dos, dos à dos, dos à dos. Dos à dos avec vous, Laurent Deutsch, des réponses du tac au tac. Qu'est-ce qui est le plus insupportable lorsque l'on partage votre vie? C'est qu'on ne sait jamais où je vais vous emmener. Est-ce que vous aimeriez être votre ami? Est-ce que j'aimerais être mon ami? Ah bah oui, je ne me déteste pas. Si vous aviez les clés de l'Élysée, le temps d'une journée, qu'est-ce que vous feriez? J'irais dans la cave, elle est magnifique. Au cinéma, qu'est-ce qui peut vous faire détourner les yeux de l'écran? Une scène de violence un peu crue, un peu gratuite, ouais, là, carrément, peut me faire même sortir de la salle. Qu'est-ce que vous dites à un ami après la première d'une pièce que vous avez détestée? En tant que comédien, je sais trop l'investissement que c'est et donc du coup, quand j'ai pas aimé, je m'en vais et je vais pas lui dire. Donc il aura compris et ça sert à rien qu'il le sache de mes propres mots, quoi. Je préfère l'appeler 2 ou 3 jours après et lui dire, écoute, excuse-moi, hein, j'étais pas venu, je voulais pas te briser dans ton élan d'une première, mais c'est vrai que c'est pas pour moi. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer? Le luxe dont je pourrais pas me passer, honnêtement, ma femme et mes enfants. Est-ce que vous auriez aimé naître femme? Ah bah oui, pourquoi pas, ça aurait pu être plus intéressant. À qui vous refuseriez de serrer la main? Je refuse jamais une main tendue, moi.
Quelle que soit la personne, en plus j'ai peut-être un peu trop d'estime en étant persuadé que si c'est la personne que je considère comme la plus détestable au monde, j'arriverai un peu à le ramener vers des sentiments contraires. Je me dis toujours qu'une main tendue vaut mieux qu'un poing fermé. Qu'est-ce qui vous met hors de vous ? Les voies sur berge et la circulation actuelle, orchestrée par Madame Anne Hidalgo, que franchement j'aime bien comme maire. Je trouve qu'il n'y a rien à dire, elle est dans la continuité de Bertrand Delanoë, donc sans être de gauche, sans être de droite, honnêtement pour la ville, je trouve qu'elle fait des choses bien, mais les voies sur berge. Madame Hidalgo, les voies sur berge, c'est pas possible. Le plus bel âge dans la vie. Celui qui va venir. Il n'y a pas d'âge pour vouloir vivre. Est-ce que vous payez l'ISF ? Oui. C'est dur. Si vos enfants vous demandaient une définition de l'amour, qu'est-ce que vous leur répondriez ? Regarde-moi. Quand je te regarde, je ne vais pas commencer à devenir un espèce d'ange du ciel. Quoi. Voilà, regarde-moi quand je te regarde et tu verras ce que c'est que l'amour. À quelle occasion mentez-vous ? J'évite de mentir. Parce que je crois que déjà la vérité triomphe toujours et on arrive toujours à dénicher et à connaître et à démêler le vrai du faux. Et je crois que le mensonge, moi qui aime le dialogue et qui aime vraiment la rencontre avec la personne, le mensonge finalement ça vous prive de toute rencontre. Est-ce que vous avez déjà menti dans l'émission ? Bien sûr. Bon, on va essayer de déceler ces moments-là. Et qu'est-ce qui vous rend joyeux ? Le fait d'être avec vous, dos à dos, comme ça, ouais. Catherine, c'est pas désagréable. Et une chanson qui vous rendrait joyeux ? En ce moment, j'écoute une chanson de Coldplay, qui a été un petit peu la bande-son de mon été, que je chantais avec mes enfants qui dansaient dessus. Et quand je l'entends, je repense à mes petits bonhommes qui s'agitent. Ça pourrait s'appeler « Hymn for the weekend » ? Oui, c'est ça. À dimanche, c'est pas mal, non ? Ah, on le savait. C'est bien ça. Ah, vous restez debout, Catherine. Vous restez debout, vous dansez. Vous dansez. Comme dirait Jean-Louis Rousseau, bougez votre corps. Même Michel, il bouge son corps. Bougez votre corps, ça fait du bien. Voilà. Petite chorégraphie. Ouais, toujours. Spontanée de Laurent Dutch. Bon, allez, vous allez le voir, si vous voulez bien, hein. Mais oui. Au théâtre Montparnasse, bankable. Bankable, rentable. Et de bancable à bancal, il n'y a qu'une lettre. C'est très fragile d'être un acteur bancal. Ah, c'est très instable, ça. Parce que c'est pas vous qui vous faites bancal. C'est les rôles qu'on vous donne, qu'on vous redonne et qu'on vous refait prendre parce qu'on est sûr que ça marchera. Et au bout d'un moment, eh bien, ça marche plus. Vous qui êtes un curieux de nature, Hervé Boudon, une histoire de la coiffure. Et vous verrez, c'est alors passionnant. Vous qui aimez, évidemment... Être coiffé, d'ailleurs, non, mais vous qui aimez le cinéma, vous qui aimez l'artifice aussi, nécessairement. Vous verrez, c'est la coiffure et à travers les époques. Mais c'est formidable, vous savez que par exemple... Vraiment un livre pour vous, ça. Il y a des faits historiques marrants avec les coiffures. Vous savez que la perruque qui est apparue à la cour de France sous Louis XIV est venue quand Louis XIV a perdu ses cheveux. Il avait une tignasse blonde magnifique, un peu féline comme ça, de léonine. Et tout du jour au lendemain, avec les soucis de la fonction d'État, il a perdu tous ses cheveux. Donc il s'est mis à avoir une perruque. Et pour ne pas avoir la ridicule, parce qu'il avait une grosse perruque comme ça, une espèce de d'algue, là, une grosse choucroute sur la tête, il a imposé à toute la cour d'avoir la perruque. Donc pendant 150 ans, toute la cour avait des perruques. Et ça, c'est dû à la calvitie de Louis XIV. Ils ont tous dissimulé leurs cheveux. Je voulais remercier la personne qui est exposée sur le plateau de Thé au Café. Il s'agit de Danielle Lescaut, c'est une artiste. Vous pouvez d'ailleurs voir son œuvre dans son atelier. Elle vous y accueillera, avenue Doménil à Paris dans le 12e. La peinture de Danielle Lescaut, elle est abstraite. Doménil, mais c'est passionnant, Catherine. C'est là. On va terminer avec le général Doménil. Au motif géométrique. Quant aux céramiques, regardez là, les céramiques de couleur, voilà. Elles s'apparentent à un jeu de construction. Son prénom Danielle et son nom Lescaut, L-E-S-C-O-T. Samedi prochain, Philippe Croizon, c'est un aventurier. Doménil, c'est la plus grande rue de Paris. On croit tout le temps que c'est la rue de Vaugirard. Ça n'est pas vrai, Catherine. Philippe, la rue Doménil, elle fait 6 km de long et elle va jusqu'au château de Vincennes. Et qui était Doménil ? Doménil était un général hallucinant. C'est quelqu'un, après la défaite de Napoléon, il n'a pas voulu rendre la forteresse de Vincennes. Il avait perdu sa jambe à Wagram, donc le mec, il en voulait un peu aux Prussiens. Quand les Russes et les Prussiens ils sont arrivés pour récupérer Vincennes, Doménil a dit : moi, je vous rendrai la forteresse quand vous me rendrez ma jambe. Vous savez qu'ils vont nous couper, là. Il n'a pas rendu la forteresse et il a été chassé par les Bourbons. Il a dit : moi, je veux sortir qu'avec des Français. C'est les Bourbons qui donc l'ont chassé de la forteresse, mais coup de théâtre, en 1830, quand il y a la fin de l'Empire de Charles X, qu'est-ce qu'il fait, Doménil, qui était à la retraite ? Il retourne dans la forteresse fois. Et une nouvelle...
Bon, je me tais. Mais renseignez-vous sur le général Doménil, c'est un mec qui mérite un film. On a compris. Il est formidable. Philippe Croizon, donc l'aventurier, il est amputé des quatre membres. Doménil, il a perdu qu'une jambe. Et Philippe Croizon sera présent sur le plateau. Et vraiment, c'est un homme extrêmement intéressant. Il vient de faire la traversée de la Manche, d'ailleurs. Bien sûr, c'est un marin. Il est fou, lui. Il traverse... Ah ouais, oui, ouais. Grand personnage. Mérite une rue dans Paris. Le lendemain, il y a Caroline... À côté de Doménil, des gens courageux, des héros des temps modernes. Caroline Vigneault, l'humoriste, qui sera là. Avec c'est une ancienne avocate, elle. Exactement. Et Dominique Verdeillan, qui est notre spécialiste de la justice sur France Télé et qui a écrit un livre sur la magistrature. Vous avez envie de vous poser des questions sur telle ou telle affaire, la peine à l'objet, etc. On va s'arrêter là parce que c'est plus possible. Verdaillon, c'est pour lui. Revenons à Doménil. Donc, je disais, Doménil, quand Napoléon s'est échappé de l'île d'Elbe, il est retourné dans la forteresse. Et alors, il a dit, moi, je n'ouvrirai pas les portes de la forteresse, faites tout sauter, on se retrouvera au ciel. C'est ce qu'il a dit trois fois, Doménil. Trois fois, il a repris Vincennes. À la semaine prochaine. Renseignez-vous sur Doménil, Catherine. Bonne semaine. Et dites bonne semaine. Bonne semaine. She's clean.